L'aime télécom des gon tis amis tout ça me s'est abdil t'es toujours mettre en partie l'a mettre anglais là dedans parce que t'es d'amour anglais qui donc on leur pendant me c'est l'école là gon tis amis que le remet en pile et il voulait gagner comme ménage par contre ti dame nan ba me c'est rendez-vous non cafou et bien 2 heures de temps c'est pas jambe joine ti dame nan c'est tellement frustré croison l'a appelé les arrivé la caille li frustré il fâché de mais l'arrivé l'école là c'est pas appliquer bêtise mademoiselle là et il dit why you give me poto. Depuis là ça a tout relé monsieur. Why you give me poto? Hello, my name is Daniel and I use channel loin qui c'est anglais tout partout. Nous poter une vidéo pour vous côté nous va apprendre nous comment capable dire en anglais ou bam poto. Si ou même ou déjà prend poto dans mes mesdames yo, si ou même fille ou déjà prend poto dans mes messieurs yo, eh bien vidéo ça va utile en pile. Ça pour faire connait là c'est subscribe, abonner avec channel loin qui c'est anglais tout partout, apprendre anglais facile facile avec nous. When I'm coming back, lem tourne ma vindou comment différentes façons capable dit ou bam poto en anglais. How to say li bam poto? Comment pour dire au monde li ba poto en anglais? C'est ça pour venir apprendre là dans cours pour aujourd'hui. Est-ce que pas j'aime comprendre poto dans mon monde? I hope so. M'espérer ça. Même pas d'avoir comprendre poto encore. Donc, on va apprendre comment vous dire poto en anglais. Buy poto. All right. So, the first way to say buy poto in English is to stand up. Or you can say to stand somebody or someone up. Là, on va utiliser pronom, hein? Remplacer somebody par me, par you, etc. So, to stand somebody up is to intentionally fail to meet someone. C'est échouer dans la rencontre avec un monde. Moun n'a pas vini, li bon rendez-vous, li pas vini, surtout dans une relation d'amour. Les Saoudi, bay poto. Ça, c'est la première façon qui est plus formelle, plus normale, ou capable de dire un monde bay poto, ou capable d'utiliser phrase ça, c'est to stand somebody up. Ok. To stand somebody up. M'bral bon plusieurs exemples. For example, the first one is she stood me up yesterday night. Hier soir le bon poto. Bah on est sous des bons poto, non? Bah dis moi même ma pas la fois, non? She stood me up yesterday night. Hier soir mademoiselle la bon poto. Et vous avez pas de la pli. Deuxième phrase que nous capable dire ça. Gen moun ki fin bon poto poto a tellement formal. Ou dit nan mode grand moun yo, pa jam ozo fè mbay comme ça. Pa ranso, pa jam fè mbay comme ça. So, l'autre dit phrase là pas jambe bon poto encore ou dit moun nan never stand me up anymore. Qui ça nous marqué? C'est to stand up, l'expression to stand up. Nous retire somebody à remplacer le pas pronom me. OK? Me to stand up ou dit pas jambe c'est never never stand. Stand me up anymore. Pa jambe bon poto encore. All right? To stand up is buy poto. Ou bam poto, you stand me up. Ou bam se poto, you stand him up. Ou bam Joanne poto, you stand Joanne up. Ou te bam Jocelyne poto, you stood Jocelyne up. Ok? C'est comme si ou fait moun nan kampe, tan kon i. Ou bam jam vini. A la mecho mecha. Never stand me up. Bam jam bam poto. Ou mwem, de ou bam poto, never stand me up. Ok, bam jam bam poto. All right. The second way to say poto en anglais, m'a parlé de poto kay, m'a parlé de moun ko mete campé 2 heures de temps, 3 heures de temps. C'est tout dans relation bay l'amour. Ou bay moun poto en pile et ou kap gade m la ou pran poto. Deuxième façon pour dire moun ou bal poto, ou ka parler de poto, ou capable utiliser phrase ça ou bien expression ça qui c'est to give someone a rabbit. En français, l'expression c'est poser un lapin. OK. Tu m'as posé un lapin. C'est pas lapin maintenant mon nom. Non, on pas là, pas dans politique. OK. Poser un lapin, c'est lorsque on fait mon nan campé dans petit coin ou bien on va faire shit à nos restaurants, pas jamais mettre pio, mesdames, on dit ça même. Never to give someone a rabbit. To give someone a rabbit, c'est poser un lapin, c'est bay mon nan poto. Une phrase, deux phrases, comment on capable dire mon avec l'expression to give a rabbit, c'est par exemple tu as posé une question pour nous dire
Why did you give Barbara rabbit? Pourquoi ça te paye Barbara poto ça petit? Mesdames, vous les parlez ensemble, petit. Et pourquoi ça paye Junior poto ça? Hein? Tu qui n'a pas la Daniel la rabbit. Ah, pourquoi ça paye Barbara poto ça? Amen. Bye Barbara poto, il va faute point non. OK, Barbara pas fâché non. Why did you give Barbara a rabbit? Pourquoi ça te paye Barbara poto ça? Why did you give Barbara a rabbit? I'm sorry, Barbara. I'm sorry. Désolé, Barbara. Pour qui ça ou baye Jocelyne Poto ça? Hein? Pas baye Jocelyne Poto encore. Why did you give Jocelyne a rabbit? Deuxième phrase. I'm afraid of giving you a rabbit. Mesdames, yon bon mot le ou fin bon poto et puis après, yon propose tisse yo. Désolé, c'est pas de faute moi. Désolé, bon poto. I'm afraid, say I'm sorry. Son l'autre façon que vous capable de dire I'm sorry. Et va sorry, non? I'm sorry. No, it's not sorry. What a fait violence sous phrase là comme ça. C'est I'm sorry. OK? Ou bien capable de dire I'm afraid. I'm afraid of giving you a rabbit. Moi regrette de bon poto. Ou bien moi regrette mon poto ça. Petit. Et avant moi I'm afraid of giving you a rabbit. I'm afraid of giving you a rabbit. Et pas faute moi. OK. Dernière et troisième façon que vous capable dire au monde. By poto, on va parler de by poto en anglais, c'est to leave someone in the lurch. L'expression c'est to leave someone in the lurch. Pabli m di nou, tout kote gen someone yo, ou ka remplace ou pa n'importe ki pronom ou bien ou nom moun. Kote gen somebody yo, ou ka remplace ou pa ou nom moun. OK? So, to leave someone in the lurch. C'est l'expression sa a utilisé, c'est lorsque ou promet ou moun ou ba ou pa vle respecte pou mes kote fè la. C'est comme si son sort de poto, ou fè moun nap ten nan l'esprit ko pral ba ou ba ou pa arrive fè sa. L'expression ça a pas directement poto. Leur fait mon camper après nous nos relations surtout deux mon qui rencontre fait d'amour. Mais ça c'est lorsque pour mettre mon bagage qu'on pas faire. Laisse ça dans sens by poto tout. To leave someone in the lurch. Répétez après s'il vous plaît. On allez. Anglais qui parle l'anglais qui apprendre. To leave someone in the lurch. To leave someone in the lurch. Mal banou, on phrase. Exemple. For example, she said she would be my girlfriend, but she left me in the lurch. Oui, ou te promet nou apre mè avèm, et puis gade, ou bam poto, map tan nou pa jam fè sa. Da tou promet mè ko apre mè avèm. Li pa jam fè sa. Ba konne ki yes non, mè ou kap gade mè nan la ou fèm promes ou pa jam respecte l. She said, li te di, she would be my girlfriend, di tap menaj mwen, but she left me in the lurch. Men, li bam poto, li fe promes si pa respecte l. Say, to leave someone in the lurch. He would give me a telephone. Unfortunately, he leave me in the lurch. He leaves me in the lurch. Malheureusement, li pa respecte promes ke l de fem nan. Okay, he promised me to bring me or to go to the club with me. Unfortunately, he leaves me in the lurch. She leaves me in the lurch. Li te promet mwen ke l tap rale nan club avèm. Malheureusement, li bon poto, li pa respecte promes. Se sa l fè. So, nou sot apren 3 bagay, 3 fason ke nou kapab di yon moun, li bon poto. Pa di, you give me poto. No, poto pa yon moun, anglè. Sa son anglè kreyòl. Sinon la ou helikopter yo vin arete ou la paske ou fè violence sou langoun yo. Ou di to stand someone up. Sa se lò fè moun nan kapè. Twat ap tan nou. E pi sa ki dò la, lò kapè konsa ou gòn mòd ou fè konsa, ou fè tèt la konsa, ou rete tout dwate pou fè konsa. Ou ap gade ki kote nan ki direksyon, malheureusement sou kapè non kafou. So, to stand somebody up. Alò ba moun nan bon poto, red. Sèl on li mye selman kre dan lè tèt. To give someone a rabbit, même poto wa. Mais to leave someone in the lurch, l'offre moun nan promesse ou pa respecte l, on sort de poto.
Thank you very much, guys. Connaissez la première vidéo, ça, c'est partager vidéo, ça, partager. Et si vous regardez vidéo, à taper N jusqu'à la fin. De vous regardez vidéo, ça, taper N. De vous regardez vidéo jusqu'à la fin, taper N. I N. Si vous regardez vidéo, ça, complètement taper N. Tout le monde qui tape N, vous voulez dire que vous regardez toute vidéo à net. Thank you very much. Subscribe, partagez. Supportez-nous, nous apprécions ça. Goodbye for next video. My name is Daniel Aneus, l'infatigable. I love you so much. Bye bye for next video.